Rebonjour mes chers étudiants. Alors on va continuer avec notre deuxième séance. J'ai préféré faire des courtes vidéos de 40 minutes et là je vais continuer aussi. Comme ça l'étudiant arrive à suivre plus facilement. Alors on est toujours au niveau de l'introduction, plus précisément sur le point de l'évolution historique du droit foncier au Maroc. On a vu la notion du foncier. On a vu les caractéristiques du droit foncier au Maroc. On a vu également la différence entre les droits réels et personnels. Et donc là, on est en train de voir l'évolution du droit foncier au Maroc et plus précisément l'évolution de la propriété foncière au Maroc. Alors, si on veut connaître cette évolution, forcément, il faudra en fait faire la différence entre trois périodes principales. Tout d'abord, la période, ce qu'on peut appeler la période précoloniale, dans laquelle la terre est principalement considérée comme étant une chose commune qu'il faudra faire fructifier. Ensuite, la deuxième période, c'est la période coloniale qui se caractérise par la recherche d'un procédé légal permettant d'officialiser la maîtrise du sol conquis en adoptant, un régime foncier qui va garantir les droits par une procédure d'immatriculation à la conservation foncière. Et donc là, c'est ce que j'avais expliqué les deux, la première séance et la première partie de cette séance. J'avais insisté sur le fait que si le protectorat avait mis en place le régime de l'immatriculation foncière, ben, ce n'était pas le fruit du hasard, mais c'était pour satisfaire à des besoins par un procédé légal qui va permettre d'officialiser aux Français leur parfaite maîtrise du sol. Donc ça, c'est les deux premières périodes. Donc la période précoloniale, juste avant l'arrivée des Français au Maroc, la période coloniale elle-même, et puis la période de l'indépendance, bien entendu, avec la récupération des terres de la colonisation sans remise en cause du régime foncier imposé par le pouvoir colonial. Alors la première période, par quoi elle a été marquée? Avant l'instauration, il faut savoir tout d'abord cette période elle-même, il y a deux phases, avant l'instauration de l'islam au Maroc et après l'avènement de l'islam. Donc avant l'instauration de l'islam, la propriété foncière était principalement collective et aussi ce qu'on appelle tribale. C'est-à-dire que vous trouvez que le habit, comme on appelle ça en arabe, la tribu, ben c'est elle qui va préciser, mettre en place les règles de la propriété immobilière. Et cette propriété qui était tribale, elle s'étendait sur tout le territoire rural qu'une collectivité ethnique tribale pouvait occuper grâce à sa puissance démographique et militaire. Donc là, c'était à l'époque la conception du droit de propriété qui régnait. À cette époque, il n'y avait pas en fait de véritable limite foncière. Donc on n'avait pas de notion de propriété proprement dite. Mais il existait plutôt un concept territoire, l'ardiyya. Avec l'arrivée après des conquêtes musulmanes des Arabes, la théorie foncière musulmane va s'appliquer en distinguant ce qu'on appelle la propriété éminente, en arabe rahaba, et le droit de l'usufruit qu'on appelle également en arabe al-intifa', at-tasarruf, al-manfa'a aussi. On parle de ça. Alors cette propriété éminente était reconnue à la communauté, je m'excuse, musulmane, qu'on appelait à l'époque, comme vous le savez, la Oumma. Donc, c'est cette Oumma, c'est cette communauté qui avait le droit de disposer, si on peut l'appeler comme ça. Rahaba, c'est la propriété éminente. Et maintenant, le droit de l'usufruit était plus reconnu aux détenteurs effectifs de la terre et de la collectivité tribale qui ne faisait que user des fruits de cette terre, par exemple, de pouvoir
habiter sur cette terre, de pouvoir l'utiliser, par exemple, pour l'agriculture ou pour je ne sais quelle autre raison. Et donc, l'essentiel pour moi, c'est que vous compreniez un peu cette différence qui était faite entre le droit de disposer qui était reconnu à la Oumma et le droit de l'usufruit qui était reconnu à la communauté. Alors, le souverain, il exerce le pouvoir permanent sur les terres au nom de la communauté et les tribus qui occupaient ces terres, comme on a vu, ils détenaient l'usufruit. Donc, le bien qui était appelé à l'époque « el-milk », et d'ailleurs jusqu'à nos jours, quand on parle du régime du droit musulman, ben, le bien et la propriété est appelé comme étant un « milk ». Il est par conséquent interdit car le droit était le droit de jouissance en détenu par les mêmes mains dans ce type de bien. Donc, à l'époque, on ne parlait pas encore de ça. Alors, d'un point de vue fiscal, il y avait aussi une distinction à faire entre ce qu'on appelle les musulmans et à l'époque, il y avait aussi des non-musulmans puisque les musulmans, ils payaient ce qu'on appelle la zakat. À l'époque, c'est le seul impôt qui existait. Par contre, les non-musulmans à qui on permettait de pratiquer tout simplement leur religion, peut-être qu'ils ne croyaient à rien, mais c'était possible de le faire sans problème, ils s'acquittaient plutôt d'une contribution foncière qu'on appelait à l'époque le kharaj. Alors, la diversité des statuts fonciers tels qu'on l'a connu aujourd'hui, comme ce que j'avais expliqué plus avant au Maroc, donc on a plusieurs statuts fonciers, elle se met à partir de ce moment-là, progressivement, elle va se mettre dès lors en place. Tout d'abord, on commence par ce qu'on appelle les terres de kharaj, essentiellement, qui sont essentiellement des terres de tribus. C'est eux qui vont, on parle des terres, c'est ces biens-là qui vont devenir plus tard terres collectives sous le protectorat. Le protectorat les a ramassés tous dans un seul panier et les a appelés les terres collectives. Les terres milk à l'époque qui n'existaient pas hors d'Arabie se propagèrent par l'établissement de colons arabes. Donc petit à petit, on a commencé aussi à avoir cette imminence de la propriété milk par la suite, qui est combinée entre la possibilité d'avoir le droit de disposer et le droit de l'usufruit en même temps. Donc, on n'est plus dans cette distinction à faire entre le droit imminent, la propriété imminente et entre l'usufruit. Donc, à l'époque, les terres sans maître ou bien les terres qui étaient confisquées, par exemple, vont permettre l'émergence de ce qu'on appelle les terres guiches et les terres attribuées aux tribus en contrepartie de services militaires rendus. Donc, regardez là, déjà, j'ai parlé des trois statuts fonciers qui sont différents. Tout d'abord, les terres collectives, on a compris, c'est le résultat de quoi? Par exemple, quand on parle des terres de kharaj, les terres de tribus, en fait, c'est ce qui est devenu par la suite les terres collectives. Ensuite, on parle des terres milk, on a compris que c'est une notion qui a été ramenée des pays d'Arabie, et puis où on a combiné le droit de l'usufruit avec le droit de disposer. On avait les deux en même temps. Et par la suite, on a vu aussi l'émergence des terres guiches, que ce sont des terres attribuées aux tribus en contrepartie de certains services militaires qui ont été rendus. C'est une certaine compensation, c'est comme vous voulez, une hédia. D'accord? Alors, l'analyse que je viens de mener là jusqu'à présent, elle permet d'éclairer une étape très importante de notre passé foncier au Maroc. Cette étape au cours de laquelle la détention de droits privés sur le bien n'était pas vraiment très affirmée et n'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait imposer à l'époque ou le faire par le moyen des biens milk, mais de façon très, très timide. En fait, quand est-ce qu'on a commencé à parler réellement d'une propriété privée? C'est à partir du protectorat qui est même à l'origine de la dualité du régime foncier. Parce que là, c'est bon, ok, on avait le régime traditionnel, coutumier, tribal, qui va être largement influencé par le droit musulman, d'accord? Mais puisqu'on avait à l'époque, le protectorat avait énormément de préoccupations diverses, on avait une imbrication de systèmes juridiques très différents, avec entre la coutume, on était partagé entre tous ces statuts fonciers qui existaient, entre le rite malikite et le régime du bien milk.
Le droit de propriété à l'époque en vigueur au Maroc était très composite et donc ne joue pas en faveur de la domination française, si on ose dire. Et donc finalement, ils ont essayé de ramener un nouveau moyen qui va lui permettre à cette domination de pouvoir avoir un procédé légal qui les sécurise complètement. Donc la France va imposer sa propre conception du droit de propriété en instaurant rapidement un nouveau régime foncier basé sur l'immatriculation facultative, c'est-à-dire les personnes qui ne veulent pas le faire ne sont pas obligées de le faire, autrement ça aurait été un désastre. Donc c'était intelligent de leur part. Donc c'est un régime, comme j'ai dit, basé sur l'immatriculation. Facultative de la propriété et qui va venir se juxtaposer sur les autres formes déjà existantes de propriété qui étaient régies par la coutume et le droit musulman. On ne va pas chasser les autres régimes qui existaient. Ils n'avaient pas la possibilité de le faire en fait. Ils ont simplement ramené un nouveau régime optionnel, si vous voulez, pour avoir une option de plus, mais qui les arrange eux et qui va arranger leurs intérêts. Alors, c'était une vision, à mon sens, qui était capitaliste par excellence, et elle fait de la terre un objet de propriété privée avec tous les attributs qui lui sont afférents. Ça va vous leur permettre tout simplement de s'enrichir davantage, de pouvoir profiter à fond. Donc, toute la logique de mise en place du régime foncier sous le protectorat devait permettre le développement de l'exploitation, de cette exploitation capitaliste dont on est en train de parler. Alors, donc, pour parvenir à ces fins et à ces objectifs, et à leurs objectifs, les colons européens furent autorisés à acquérir des terres mulques, mais aussi des terres collectives avec la mise en place en parallèle d'un dispositif de protection de ces terres tribales. Ce dispositif permettait de soumettre les tribus à la tutelle de l'autorité coloniale, qui s'est produit petit à petit. Alors, l'État colonial à l'époque arrive donc à contrôler de cette manière progressivement une partie importante du foncier qui était disponible au Maroc. Ils instaurent la procédure d'immatriculation, comme on a vu, afin de garantir la propriété privée au bénéfice quasi exclusif des acheteurs étrangers. Donc, de Tichreou Sefl Aradin, jusqu'à nos jours, on a des héritiers de ces personnes-là. Et puis, le moyen qui va le permettre de le faire, c'est l'adoption du Dahir du 12 août de 1913, qui va instituer ce régime facultatif de l'immatriculation des immeubles et de l'inscription sur le livre foncier. L'inscription, ce n'est pas comme l'immatriculation, on verra plus tard la différence. L'immatriculation, on immatricule une seule fois un bien pour toute la vie. Donc, on va lui donner comme un état civil pour le décrire, lui donner un nom, un titre, sa contenance, ses limites, ses riverains, ses photos, son plan, et ainsi de suite, avec toute l'opération d'immatriculation. C'est ce qu'on appelle en arabe tahfidh al-ahari. Alors que l'inscription, c'est une forme d'enregistrement. On inscrit qid. À chaque fois que ce bien, une fois il est immatriculé, à chaque fois qu'il est appelé à connaître des événements juridiques qui vont lui être applicables, ben systématiquement, on doit partir et l'inscrire à la conservation foncière. Comme ça, il devient opposable au tiers. Donc, c'est une forme de protection, que ce soit par rapport au tiers, que ce soit par rapport au propriétaire lui-même, pour respecter aussi la chaîne des propriétaires, etc. Bref. Donc, on avait déjà expliqué qu'est-ce que c'est que l'immatriculation, qui est une procédure administrative placée sous l'autorité du conservateur, qui est chargée de rédiger les actes. On va voir plus tard tout son rôle. D'accord? Et qui va finalement permettre d'avoir ce qu'on appelle des registres fonciers, en arabe sijillat al-ahariya. Alors, le droit musulman à cette époque-là, il continue à régir la propriété non immatriculée à travers les modes de transmission prévus par la loi, les modes d'acquisition de la propriété. On a vu le cas de la possession, que ça soit à l'encontre, après 40 ans, à l'encontre d'un proche, lorsqu'on veut la prouver à l'encontre d'un proche, ou bien de 10 ans, lorsqu'on veut la prouver à l'encontre d'un tiers, mais qui n'est pas un proche. La possibilité de le faire aussi, c'est une donation, l'hiba. La possibilité, sous le régime du droit musulman aussi, de transfert et d'acquisition de la propriété, c'est le moyen de la sadaqa, qu'on va expliquer plus tard.
La différence avec la hiba, c'est qu'elle est faite li wajhillah, qu'on ne peut pas revenir dessus. On a aussi la possibilité d'avoir l'héritage, la succession, qui va être conforme au précepte de la charia musulmane, puisqu'on est au Maroc. Et donc, finalement, ce régime était bien là. Et les Français ne l'ont pas du tout écarté, c'est juste qu'ils ont opté pour un nouveau régime qui est l'immatriculation foncière. Donc, en gros, à la veille de l'indépendance, on se trouve face déjà à un double régime foncier fondé sur le critère de l'immatriculation d'une part et d'autre part sur le régime du droit musulman. D'accord? Et donc, on commence à voir qu'on est face à une dualité de régime. Alors, quand on parle, depuis tout à l'heure, on parle du droit de propriété privée, je vais insister sur ce point, entre parenthèses. Et pendant des siècles, ce droit de propriété privée, on avait dit qu'il était resté un peu absent, il était un peu embryonnaire, confus. Et au lendemain de la colonisation du Maroc, il présentait une netteté et un développement considérables. On va s'en apercevoir une fois qu'on aura éclairci les types de propriétés privées qui existent et aussi leurs caractéristiques respectives. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai ouvert en fait parenthèse sur le droit de propriété privée. Parce qu'on va avoir d'une part ce qu'on appelle le droit de propriété privée marzénien. Il verra le jour au Maroc en partant de l'idée que les biens du marzen doivent être divisés en fonction de leur nature et de leur finalité. On a ce qu'on appelle le droit de propriété privée dit milk, qui va porter essentiellement sur les immeubles, sur les terres, qui est issu du droit musulman. Les règles qui s'y appliquent trouvent leur origine dans le rite malikite, et on verra que le colonisateur ne va pas du tout s'y opposer. D'accord? Il est intéressant aussi de savoir que la signification de ce droit privé est un droit finalement issu du droit romain de la propriété. Il présente les mêmes attributs, hein, que ce soit le droit de propriété milk ou bien la propriété moderne telle que vous la connaissez. Ben, c'est les trois composants de la propriété. On a l'usus, l'abusus et le fructus. Al-intifa, rahaba. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est trois. La propriété milk s'acquiert grâce à ce qu'on avait expliqué, la possession, qui est le hiyaza, et on avait vu la différence entre la prescription acquisitive de 10 ans et la prescription acquisitive de 40 ans, qui est très, très important. Très important. Quand elle joue à l'encontre de parents, d'alliés ou de copropriétaires, parfois même. Et donc, on doit absolument respecter l'écoulement de ces durées. De cette durée, que ça soit la durée de 12 ans ou que ça soit la durée de 10 ans, pardon, ou que ça soit la durée de 40 ans. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que quand on parle du régime de droit musulman, c'est qu'on est en train de parler de biens qui font l'objet de la pleine propriété privative, qui est tout d'abord fondée sur une occupation sans contestation et qui doit être prouvée par un acte de propriété, entre guillemets, que certains qualifient de traditionnel, qu'on appelle l'milkiya, qui est établi par le notaire du droit musulman qu'on appelle les adl, et qui va être plus tard authentifié par le juge de l'authentification qu'on avait déjà abordé, qui est associé, qui est inscrit dans le registre de la propriété tenue au tribunal de première instance. Donc, il faut savoir que chaque tribunal, là, on va le voir au niveau des acteurs du droit foncier, chaque tribunal, ben, vous trouvez qu'on a, dans le rez-de-chaussée, quand vous rentrez, ben, vous allez trouver des registres fonciers spécialement dédiés aux fonciers. Donc, moi, le point, pour faire le point finalement, c'est qu'on a ce régime milk, toujours au niveau de la période coloniale, qui va continuer à exister parallèlement au régime de l'immatriculation qui a été instauré par le protectorat français. D'accord?
L'un va se juxtaposer sur l'autre sans problème. Donc, jusque-là, on a vu deux périodes. La première est la période précoloniale, c'est-à-dire avant l'avènement du protectorat français. Et cette période elle-même, on a fait la distinction entre la période avant les conquêtes musulmanes et après. Parce qu'au début, on a vu qu'on avait un droit tribal, qu'on n'avait même pas cette conception de propriété privée. Et même avec l'avènement de l'islam, c'est trop timide par la suite. Et après, on a commencé à inciter peu à peu à l'émergence de cette notion de melk, du bien melk. Avec le protectorat, on a continué dans cette voie, même si on a eu l'immatriculation foncière, et le melk s'est développé encore plus. D'accord? Avec la rédaction des actes mulkiya, avec le recueil des témoignages des témoins, ce qu'on appelait à l'époque les FIF, on avait l'obligation d'avoir l'équivalent de 24 témoins à l'époque pour prouver que réellement la personne a exploité, a utilisé pendant très longtemps un certain bien. D'accord? Alors, la troisième étape, cette fois-ci, c'est l'étape de l'indépendance. Et si on peut appeler aussi l'étape de la récupération des terres coloniales et leur transfert dans le domaine de l'État. Alors, lorsqu'on tente de découvrir ce qui caractérise la période allant de l'indépendance, c'est-à-dire on est en train de parler, on est là en 1956 à peu près, jusqu'à nos jours, ben on demeure frappé par deux faits qui sont vraiment majeurs. Tout d'abord, la consolidation du droit des Marocains à la propriété par des textes à valeur supralégislative. C'est-à-dire qu'on va partir vers l'établissement et la signature de traités, de conventions internationales pour encore plus insister sur la protection de cette propriété privée. D'accord? Et puis, on va aussi avoir la tendance qui était apparue lors du protectorat, qui va être encore plus présente en faveur de la substitution du droit de propriété melk aux autres formes d'appropriation. Donc, après l'indépendance, on va être frappé par tout ça. C'est-à-dire qu'on ne va ni supprimer l'immatriculation, ni supprimer le régime. Au contraire, on va les garder tous les deux parce qu'on était conscient des bienfaits et des avantages de l'immatriculation foncière. Donc, on va garder ce régime, même si on n'a plus de protectorat français. Et on va également garder le régime du droit musulman et tout en appuyant encore plus l'expansion de cette idée des biens mulk et de la propriété mulk et qui va supprimer, se substituer aux autres formes de propriété qu'on a vues, surtout les formes tribales à l'époque. Alors, lorsqu'on a parlé de la consolidation des droits, on fait allusion plus précisément aux constitutions d'abord marocaines, on fait aussi allusion à certaines conventions internationales qui ont été signées par le Maroc sur la propriété. Et donc, on va voir l'émergence à partir des années 60 et surtout du début des années 80. On va dire c'est l'époque à laquelle la refonte des régimes fonciers devenait une préoccupation majeure des services publics marocains. On aura un consensus général qui allait se dégager sur la nécessité d'une unification des formes d'appropriation héritées de l'époque du protectorat. Donc, ce consensus, il va même se cristalliser autour de l'idée d'une extension de la propriété mulk, allant jusqu'à l'absorption de d'autres types de propriétés et leur démembrement. Donc, la forme mulk va présenter à l'époque un certain nombre d'avantages. C'est beaucoup plus de stabilité. Elle permet d'avoir une possession paisible puisqu'on avait un acte mulkia. Donc, c'est vraiment mieux que la situation d'avant. Alors, le droit de propriété destiné à être consacré par le Maroc ne sera pas la résurgence de ce qui existait avant le protectorat, loin de là, mais plutôt un peu la poursuite de l'œuvre coloniale, si on ose dire. Comme le dit droit, ne pouvait intervenir en effet que sur des bases très objectives,
prédéterminé et hérité un peu du pacte colonial qu'on a eu. Donc là, ce qu'on constate, regardez mes chers étudiants, c'est que finalement, le droit de propriété au Maroc est passé par plusieurs étapes. Ça a été assez compliqué, mais c'est ce qui justifie finalement et c'est ce qui va mener vers la coexistence de ces deux régimes juridiques dont on parle et aussi vers la pluralité des statuts fonciers qui existent. Hein. On a vu par exemple les habous, on a vu les terres guiches. On a vu les terres collectives, entre parenthèses, les terres habous. Le habous, c'est par lequel une personne, en vue d'être agréable à Dieu, va se dépouiller d'un ou plusieurs de ses biens. Et ici, on est en train de parler des biens immobiliers, et généralement, c'est le cas. Et les met hors du commerce en les mettant à perpétuité à une œuvre pieuse, charitable ou sociale, par exemple, Hajjbal. C'est surtout pour des mosquées, par exemple, pour la construction de mosquées ou bien des écoles coraniques, etc. Donc, très, très spécial. Ce droit, vous n'allez pas vous le trouver, par exemple, en France ou bien, je ne sais pas moi, d'autres pays qui ne sont pas musulmans. Par contre, vous allez le trouver énormément dans des pays même qui ne sont pas arabes, hein, au Sénégal, par exemple, en Turquie, où ça existe énormément. Et donc, l'essentiel, c'est que ce sont des biens qui sont régis par le droit musulman. On ne pouvait pas les écarter. Le Maroc est un pays musulman aujourd'hui qui consacre la religion musulmane officiellement comme étant sa religion au niveau de sa constitution également. Et donc, on a maintenu ce genre de biens. On a en outre ce qu'on appelle les terres guiches, qui sont aussi des formes de terres collectives, mais que le sultan a accepté de les attribuer et de les offrir, si on ose dire, à des tribus en contrepartie d'un service rendu à caractère militaire. Hein, on les trouvait principalement, tu les trouves dans les villes de Meknès, Fès, Marrakech ou bien aussi Rabat. D'ailleurs, ici, moi je suis de Rabat, on a même tout un quartier qui était appelé Guichlou, d'ailleurs, par exemple. Bref, on a des terrains, des biens qui sont guiches. Ce régime guiche se caractérise par un démembrement du droit de la propriété. Et quelle est la différence avec les terres collectives des tribus? C'est que l'État conserve la nue propriété, ce qu'on appelle le droit éminent des terres guiches. Et par contre, les personnes, les collectivités guiches vont être titulaires à titre collectif de l'usufruit, de l'munfa'a. Ça rappelle un peu ce qui était applicable par rapport à la propriété collective avant l'avènement du protectorat. Donc, c'est un peu ça, on a gardé un peu le même régime. Alors, après avoir été totalement absent lors de la période antérieure à la pénétration de l'islam au Maroc et très difficilement perceptible durant celle-ci, le droit de propriété au Maroc est appelé à faire l'objet de la part de l'État colonial d'une impulsion d'une telle intensité que sa montée n'aura de cesse de s'affirmer. Et cela jusqu'à nos jours, puisque les dirigeants marocains entendent désormais en assurer la primauté aux dépens de tous les autres, de toutes les autres formes, vu les grands avantages que cela procure. Alors, la propriété privée au Maroc, elle reproduit un peu le schéma du double régime foncier, comme on l'a vu, en distinguant les biens immatriculés de ceux qui ne le sont pas, donc de ceux qui sont toujours soumis au régime du droit musulman. Et donc, finalement, on trouve une juxtaposition entre les deux systèmes qui cohabitent ensemble et qui sont, je vais dire, parallèles, mais qui peuvent se rencontrer dans un certain point, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement switcher du régime du droit musulman au régime de l'immatriculation foncière. Par contre, l'inverse, comme j'avais expliqué précédemment, ne va pas forcément être possible. Donc, pour récapituler, pour faire le point, mes chers étudiants, c'est ça un peu l'évolution du foncier au Maroc, de la propriété foncière au Maroc. Donc, toujours ayez en tête ces trois périodes distinctes. Donc, on a la période précoloniale, la période durant la colonisation ou d'autres si on peut qualifier comme étant protectorat, là je ne rentre pas dans ce débat,
Et puis, la période après l'indépendance. Donc, en gros, on a vu que la propriété a eu différents visages. L'essentiel, c'est que la politique avait suivi le protectorat d'avoir le double régime, de ne pas quitter le régime du droit musulman, de le garder, de permettre aux citoyens de pouvoir l'exercer sans problème. Et même en ramenant le régime de l'immatriculation, de faire en sorte qu'il soit simplement facultatif. Ben, c'est cette conception-là, c'est cette manière de faire qui va être poursuivie par l'État marocain, même après l'indépendance. Sauf qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus vers la généralisation de l'immatriculation foncière. On garde le régime du droit musulman, mais on tend à la généralisation, c'est-à-dire qu'on préfère avoir la généralité, la généralisation de l'immatriculation foncière plutôt que d'avoir l'inverse. Pourquoi? Pour tous les avantages que l'immatriculation peut procurer lorsqu'on est dans une vision capitaliste par excellence. Et j'insiste là-dessus, parce que quand je parle davantage d'inconvénients des systèmes, je parle par rapport à une certaine conception. Après, c'est des avis qui sont complètement différents. Moi, mon rôle, c'est de présenter l'information et à l'étudiant, plus tard, d'avoir sa propre position sur la matière, si on ose dire. Voilà, mes chers étudiants, donc pour cette séance, c'était un petit peu long, donc c'est pour cela que je l'ai divisé en deux parties. Mais j'espère que vous avez pu avoir une idée globale un peu sur l'évolution du foncier au Maroc. C'est pas une simple approche historique qu'on va faire pour toutes les matières un peu. Là, c'est vraiment très important de le faire. C'est un exercice qui est fondamental, très important, parce que ça nous permet de comprendre la situation foncière actuelle au Maroc et sa complexité, l'origine en fait de sa complexité un peu si on ose dire. Voilà mes chers étudiants, donc on se retrouve pour une autre séance la semaine prochaine qui va être intitulée, bon ça va être la séance 3, intitulée Les acteurs de la mise en œuvre du droit foncier au Maroc et les sources du droit foncier. Soit je vais le faire en une seule vidéo ou en deux parties comme j'ai fait aujourd'hui. Et comme ça, on pourra finalement boucler un peu cette partie de l'introduction à l'étude du droit foncier au Maroc. Donc, je vous remercie. On m'a contacté pour me dire que parfois, les vidéos ne s'affichent pas. Donc, s'il vous plaît, parfois, il y a juste des problèmes techniques. Où la vidéo peut ne pas apparaître parfois pour 24 heures ou 48 heures. Il suffit de réessayer à chaque fois. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je mets en ligne chaque semaine au moins une vidéo pour ma séance du droit foncier. Voilà, mes chers étudiants, je vous souhaite très, très bon courage et bonne chance. Et on se retrouve la séance prochaine. Au revoir.